Hello, ça va, Tira? Là, je me dirige vers la mer. Il est 8h du matin, vous voyez déjà le soleil qui tape sur ma tête. J'ai mis de la crème solaire parce que franchement, voilà. Objectif là, c'est bronzer, me reposer au bord de la plage, me baigner, faire des brasses. Et voilà, let's go, c'est parti. Qui a construit en fait un peu un espèce de sanctuaire. Cette personne-là, donc, elle est décédée. C'est très 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 riche, mais il était grave triste. Il a créé ça. Il a été enterré ici avec sa femme. Il voulait pas être enterré au temple, il a préféré être enterré ici. Et en fait, pour lui, ici, c'est comme le paradis. C'est trop beau. Vraiment, c'est trop 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 beau. C'est incroyable. Là, je crois qu'on est à notre dernière activité de la journée, mais je suis pas sûre. Donc, je vais vous résumer tout ce que notre guide nous a dit, si j'ai pas oublié. Donc là, on va voir le rocher de grand-mère et grand-père. Je crois que c'est un autre nom, mais bref, c'est un peu comme ça. En gros, ils allaient faire la route pour aller genre dans une autre île, genre dans le nord. Et en fait, ils ont fait un accident, je crois, de bateau. Et du coup, ils sont décédés. Et en fait, la manière dont ils sont décédés, ils ont gardé en fait la même forme. Sur une forme de pierre en fait. Du coup, bah, c'est ça qu'on va visiter. Et aussi, elle nous a dit de tester la Wish Pass du coq à l'âne. Elle nous a dit aussi de tester les glaces à la coco. Parce qu'ici, genre, c'est, apparemment, c'est vraiment un truc de ouf, c'est dinguerie. Du coup, bah, je vais goûter en tant que meuf des îles. On va voir si ça détrône celle de la Guadeloupe ou pas. Donc voilà, en tout cas, c'est ça qu'on va visiter aujourd'hui. Et je crois que j'ai bien fait le résumé, mais en vrai, je suis pas sûre. Donc, en vrai, allez regarder sur internet, parce que je crois que je suis pas sûre du tout. Je crois que je vais un peu remixer ce qu'elle a dit en mon bien. Voilà. Voilà. Bibi! Thank you.
C'est mon dernier jour ici à Koh Samui, je suis trop triste, enfin il pleurait vraiment. Donc aujourd'hui, nouvelle excursion, ça va durer qu'une demi-journée cette fois-ci, ça va pas être une journée entière. J'ai trop hâte, normalement on est censé aller dans une île où il n'y a que des cochons. Oui, et encore les cochons. Donc je suis trop pressée et normalement je vais pouvoir faire aussi du snorkeling. Ah, je l'ai bien, j'ai là cette fois-ci. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé là? Bref, donc du coup, je suis trop contente de cette journée. J'ai trop hâte. Pour l'instant, je suis la première arrivée. Il vient de me pick up et normalement, il y aura d'autres personnes avec moi. J'espère que je vais avoir un bon groupe. Et les gars, ce soir, il y a des combats de Muay Thai, de boxe Muay Thai. J'ai tellement envie d'y aller. Genre, vraiment, j'ai trop envie. En plus, je me dis, c'est mon dernier jour et tout. Donc, je vais essayer de voir si je peux y aller. Mais en tout cas, je vais vlogger toute la journée d'aujourd'hui. Let's go! Bon, je viens d'arriver sur l'île aux cochons. Je suis trop contente. Il y a des coques, my god. Vous savez que les coques, c'est ma phobie. Genre, j'ai trop peur des coques. Vraiment, genre 0 van, ça me fait trop peur. Là, je vais mettre mes crocs et je vais regarder les cochons. Je suis trop contente. Il y a grave des cochons, les gars. Mais en fait, on dirait même pas des cochons, on dirait des buffes. Genre, des buffes, ils sont énormes, gigantesques. Je suis choquée. Non, mais c'est un taureau à ce stade-là. Ils sont énormes. Trop kiki, regardez. Trop mignon. Regardez. Oh non, les filles, il est trop kiki. Oh non, il est trop kiki, les filles. Oh non, j'ai de le manger. Il est trop mignon. Il veut sauter. Oh là là, regardez comment il saute. Oh là là, petit cœur. Oh là là. Oh, il est trop mignon. J'ai de pleurer. Les filles et les garçons, c'est bon là, j'ai bien fini de manger. Là déjà il faut du canoë, mais il pleut de ouf et moi je suis toute seule, donc je pense que je vais pas du tout réussir à démarrer le canoë. Ça va pas le faire, je pense. Le kayak, pardon, excusez-moi. Ah, c'est la même chose, le canoë kayak, c'est pareil. Bref, du coup je me suis dit que j'allais aller me baigner sous la pluie et regardez, j'ai l'île pour moi toute seule. En fait, tous les autres ils sont de l'autre côté, moi je suis partie au fond. Genre, elle va belle la vie. Purée, je suis contente. Aïe, je suis contente. Qualité d'image dégueulasse, mes moments sensationnels. Donc, je suis obligée de vlogger. Là, les gars, je suis au stade juste à côté de mon hôtel. Ce soir, il y a un combat de Muay Thai. Ce soir, demain et après-demain. Sur 3 jours, je crois. Je suis trop contente, j'ai tellement hâte. Donc, là, du coup, c'est bon, j'ai pris ma place. Je suis devant le ring, mais j'attends. En plus, regardez, j'ai mis mon haut. Eh ouais les gars, on est dans le thème, let's go. Guys, aussitôt ressorti. Donc je viens de rentrer de mon excursion, c'était trop bien. Vraiment j'ai aimé. Mais là du coup il fait archi chaud, genre il fait lourd. Donc je me suis dit, du coup je me suis dit, les meufs de la cuisine, je les aime trop. Du coup je me suis dit, bah pourquoi pas aller prendre un petit bain de mer. Du coup bah let's go à la playa. Prendras-tu ce vol vers une destination inconnue du jour au lendemain sans trop d'organisation? Auras-tu la force de lâcher tes études pour ton bonheur et d'expliquer à papa-maman que tu as une vie à écrire? Tu la prendras, cette caméra, pour parcourir le monde et partager ton expérience? Auras-tu le courage d'être toi-même? D'être une étoile parmi la noirceur de notre monde? Alors le prendras-tu ce temps? Es-tu parmi les patients? Penses-tu que j'en demande trop? Penses-tu pouvoir t'accorder 10 minutes, 10 jours ou 10 mois pour guérir? Thank you.